I've already done a video about body vocabulary, but I wanted to go into detail because we don't often learn that when we learn body parts. I want to give you the vocabulary, my friend, for the different parts on the face. This is a beginner lesson, so the sentences will be easy yet important for you to repeat. Coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. Okay, let's start. The forehead, le front. J'ai un petit front. I have a small forehead. Encore une fois. J'ai un petit front. Ensemble. J'ai un petit front. Excellent. Eyelids, les paupières. This is feminine. Une paupière, des paupières. Tu as les paupières lourdes. Es-tu fatigué? You have heavy eyelids. Are you tired? Encore une fois. Tu as les paupières lourdes. Es-tu fatigué? Ensemble. Repeat with me. Tu as les paupières lourdes. Es-tu fatigué? Very good, my friend. Eyebrows, sourcils. Un sourcil, des sourcils. Il a les sourcils froncés. He has frowning eyebrows. Encore une fois, il a les sourcils froncés. Ensemble, il a les sourcils froncés. Eyelashes, un cil, des cils. Elle a des cils captivants. She has mesmerizing eyelashes. Encore une fois, elle a des cils captivants. Ensemble, elle a des cils captivants. Cheekbones, une pommette, deux pommettes. Nous avons des pommettes hautes. We have high cheekbones. Encore une fois, nous avons des pommettes hautes. Ensemble, nous avons des pommettes hautes. Very good, my friend. Keep practicing. Cheeks. Une joue, deux joues. Vos joues sont douces. Your cheeks are soft. Encore une fois, vos joues sont douces. Ensemble, vos joues sont douces. Very good. And this part here, une tempe, les tempes or des tempes. Ils mettent leurs doigts sur leurs tempes pour réfléchir. They put their fingers on their temples to think. Encore une fois, ils mettent leurs doigts sur leurs tempes pour réfléchir. Ensemble, ils mettent leurs doigts sur leurs tempes pour réfléchir. Like that. Thinking about something important. Okay, the last one is gums. Gencives. Une gencive. Elles ont des gencives saines. They have healthy gums. Encore une fois, elles ont des gencives saines. Ensemble, elles ont des gencives saines. Excellent! And an added challenge is to repeat the last sentence 5 times in a row on a very quick pace. Elles ont des gencives saines, elles ont des gencives saines. This is more difficult than it seems. Okay, my friend, I am available for one-to-one lessons. The link is below. This is on Preply. And I see you very soon on French with a smile. Bye-bye!